Il y a 2,5 milliards de téléchargements illégaux par an dans le monde, un chiffre qui a doublé en une année. Les pirates recherchent avant tout de la musique et des films. Olivier Pierre, Laszlo Bottiglieri. Ils font partie des titres les plus téléchargés du moment. Batman, Indiana Jones, Kung Fu Panda, ces films sont toujours en salle et sont déjà disponibles illégalement sur le net. Sur ce réseau qui sert d'intermédiaire entre les pirates et leurs clients, la liste des copies piratées de Batman est déjà longue. Tu vois ici la liste, tu vois qu'il y a plusieurs versions. Voici une, sont toutes les versions enregistrées dans les salles de cinéma, parce que le DVD n'a pas encore été diffusé en fait. Que ce soit des films, de la vidéo ou de la musique, l'an passé, 2,5 milliards de fichiers numériques ont été téléchargés illégalement dans le monde, et ça rien que par l'intermédiaire d'un des 6 grands réseaux peer-to-peer. Il y a environ 2,6 fois plus de fichiers téléchargés en 2007 qu'en 2006. En tout, 17 millions d'utilisateurs téléchargent en permanence des fichiers illégaux. En Belgique, une enquête a été lancée pour connaître l'ampleur du phénomène, mais en France, on sait que 450 000 films de cinéma ont été téléchargés l'an passé, presque autant que le nombre d'entrées au cinéma. Oui, c'est certainement impressionnant. Il faut dire que la France est plus grande que la Belgique, mais on peut dire aussi que chaque film ici qui sort en Belgique était disponible illégalement après un ou deux jours. Le phénomène inquiète le secteur du cinéma. Même si les salles belges ne constatent pas de baisse de fréquentation, leurs propriétaires estiment perdre un certain nombre de spectateurs potentiels qui font du téléchargement illégal un sport national.